Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Chers jeunes, vous tous participants à ce cinquième camp du César, vous tous qui avez voulu répondre de façon positive à cette rencontre, je vous salue. Appel du Christ. Frères et sœurs, messieurs les abbés ici présents, mes frères séminaristes, dès l'entame, je me permets de dire que j'ai la légitime liesse et l'insigne honneur de présider cette célébration eucharistique, laquelle célébration nous permet de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, mais aussi laquelle célébration eucharistique nous permet de dire merci à chacun et à chacune de nous ici, paroissiens et paroissiennes de Rossignol, pour l'hospitalité, pour le sourire et pour la joie que nous trouvons sur vos visages. L'appel du Christ. Amen. Dans ma carte de Yazam et Yahim et Mekoua, nous sommes là pour la maman Bouzoli, la Beno. Le premier point, Dieu nous évalue. L'évaluation de Dieu. Le deuxième point, c'est comprendre que l'évaluation de Dieu n'est pas sans amour. Il nous évalue avec amour. Nous sommes à une période où, dans les diocèses, dans les paroisses, et voilà, les équipes pastorales sont en train de clôturer l'année. Pour le cas de notre diocèse, nous avons clôturé l'année, c'était le 30 juin 2024, à la place Marianne de la cathédrale Saint-Paul. Et à cette clôture, voilà, il y a nos frères qui étaient diacres, sont devenus prêtres, et celui qui était séminariste, et voilà, il était admis au diaconat. Clôturé l'année. Et je suis aussi certain que, ici à Mont-Saint-Job, vous avez déjà clôturé l'année pastorale. Mais ailleurs, les gens sont en train de clôturer l'année. Et clôturer une année suppose qu'on fasse un bilan. Et je pense aussi que c'est dans cette perspective que l'Église nous donne à méditer sur cette page d'Évangile, ou encore ces textes liturgiques. Alors, qu'est-ce que nous avons entendu, qu'est-ce que nous voyons dans la première lecture ? Eh bien, Dieu est en train d'évaluer ceux qui avaient reçu la mission d'être pasteur. Être pasteur, très vite on peut se dire, c'est une affaire des prêtres. C'est une affaire des hommes et des femmes qui ont accepté de façon très spéciale à faire véhiculer, à annoncer la bonne nouvelle. On oublie que tous, sans exception aucune, dès que nous avons accepté d'être reçus en Église, nous soyons de la terre, eh bien, nous devenons tous pasteurs. Amen, Christ. Amen. Quand se montre l'Église, mon Christ, nous sommes, quel est mon loup, Yabamé. Nous sommes tous pasteurs. Mamaïna, qui est coulis à part de rien, n'a pas de nous. Quelqu'un s'en va long, il y a moitié la papa de l'éage. Il n'a qu'à pas qu'à soin, il y a santé la papa de l'éage. Alors, on va dire, maman, il a quel boulot qu'il y a. Tata, il n'a que ça là, bilanga, que ça y a moitié, que tout le monde solo, mais qui s'en met dans le salaka, peut-être tu vas dire, il n'y a pas quel boulot qu'il y a. Tata, il n'a même dit, n'a pas de sa balle dans l'école. Il y a qui l'a pas à l'école. Dans
solo nyos. Na kupesa bana ina mayele. Na kukindisa mayele ya bao. Bete kubache, nyanyu kerepe, ulogia. Tata na mama ina pegi sakuna na hospital. Kisabu ya yanji ya kia kusana na kote nyos. Na kia ya mabantu na kile nyos. Yanyu pewe kutubache, ah, bakele ulogia na kote. Et même ici, à l'église, notre engagement, notre façon de participer aux activités de la paroisse, dans le Kessalaya ou dans le Bouboté Nyonso, dans le Solo Nyonso, dans le Tupanabé Tuchiha, dans le Tupanabé Tuchiha, dans le Tupanabé Tuchiha. Mais lorsque nous faisons le contraire, au lieu de nous faire le Solo, mais il avait été le Kessalaya, alors là, on devient cela, il a. Quel malheur pour vous, pasteur! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage. Et aujourd'hui, nous n'allons pas repartir après beaucoup d'années pour dire bon là, ah, Niton, Yadina, Vandi, et Binissa, Yakele, ma brebis est à l'église. Non, chacun de nous, chers frères et sœurs, est appelé à faire ce bilan. Pour voir la qualité de son travail, la qualité de sa relation avec le Seigneur, la qualité de sa relation avec ses frères et sœurs. Il nous arrive quelquefois, dans plusieurs domaines, ça. Alors, au lieu d'être préoccupé dans le salut à Beto, mettez tout la maison, dans laquelle il est pour tout la maison, dans laquelle il est mis, dans laquelle il est mis, dans laquelle il est mis, dans laquelle il est. Beto Kesimana a été au moins à Beto. Beto Kesimana a dit, Beto Kesimana a dit, Mambi a encore fait la bicycle et a été au Salaka. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas rare de voir quelqu'un qui accepte d'être médecin, être infirmier, mais seulement dans sa pratique, eh bien, on a l'impression que, ah, est-ce que Yanske, la toile est avant, la cathédrale est avant, comme Moutu n'a pas fait ça. Même dans le salut à Maboko, même dans la Ina qui est dans la quoi que Moutu, quelle est la qualité des choses quelquefois, mais qui a été exacte dans ma part. Quelle est la qualité? Parfois, on est même conscient que Missy n'a rien à prendre dans la tête de la salle, mais qu'il y a coupé là, et qu'il y a coupé là. Mais à vide d'argent, il y a quelqu'un dans la tête de la caméra de Tixeya. Et à la fin, on dit notre pays n'avance pas. Tout ce que nous décrions comme antivaleur, chers frères et sœurs, dès lors que nous avons accepté de suivre le Seigneur, nous devenons pasteurs. Et nous devons bien faire les choses. Chacun de nous est appelé à être pasteur pour son frère. Chacun de nous est appelé à être pasteur pour sa soeur, pour son frère. Mon loup qui a voté, mon Dieu a voté sans la papa qui a bientôt. Malheureusement, c'est un peu cet esprit de Caïn qui nous invite. Au lieu d'aider nos frères et sœurs à avancer, au lieu d'aider nos frères et sœurs à vivre cette rencontre avec le Seigneur, eh bien, nous nous comportons comme Caïn. On les tue, on les massacre. On participe à leur ruine. Que de médisance sur nos cœurs, que de médisance dans nos vies. Eh bien, ça fait que le frère avait été envoyé un peu dans la toile, ça regresse. Au lieu d'en faire la disparition, ça fait que le dans la toile, eh bien, ça regresse. Tout simplement parce que nous choisissons la route qui n'est pas celle de Dieu. Nous choisissons autre chose. Eh bien, on choisissons autre chose. Nous devons savoir, frères et sœurs, nous ne devons pas perdre cela de vue que tout travail, tout ce que nous faisons, eh bien, il y a Dieu qui est là. Zambi en Koutala Kabeto. On avait un professeur à l'école qui nous disait une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit.
Et tu dois savoir qu'à la fin, le Seigneur va t'évaluer. Il va demander les comptes. On pense gagner. On pense dissimuler. Mais la toile est un exemple de bien pour mal à vous. Enquête à la cadence. Voilà pourquoi il y a un temps à la fin. À la fin, le frère de la première lecture. Voilà, vous là, je vais vous mettre d'un côté. C'est une nouvelle que vous soyez dans le salut de la. Eh bien, en même temps, la première lecture nous invite à une espérance. L'espérance. L'espérance. Chers jeunes, ne perdez pas de vue ce que nous étions en train de nous dire hier. Dans l'unité, l'amour et l'espérance construisant du Saint-Esprit. Et on ne peut pas vivre sans espérance. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y a une différence entre espérer, entre l'espérance et espoir. L'espérance s'inscrit dans l'éternité. L'espérance nous ouvre à l'éternité. L'espérance dure. Nous ne devons pas perdre cela, mes amis. Il n'y avait que tout là, qui minuit avec la Zambi, qui vous vient avec la Zambi, Zambi, qui cuise à l'opès avec ma bouche. Et cette espérance, c'est quoi? C'est que le Seigneur nous ouvre à une nouvelle création. Le Seigneur recrée les choses. Il recrée, eh bien, c'est finalement Jésus qui est au milieu de nous, comme aujourd'hui, bon pasteur, Moulou qui a voté. Il a bien dit, ma petite, ma même Yaya a dit, pourquoi il n'y a pas de cigagnons? Cigagnons. Et Jésus, comme ce bon pasteur, voyez, avant bien ça, il était quoi? Il y a une parabole. On nous dit Jésus, voilà, il est le second berger qui finalement laisse 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule brebis perdue. Le bon pasteur, eh bien, c'est celui-là qui cherche à mettre les gens ensemble. C'est celui-là qui cherche à faire vivre l'unité. Pour toi, dit. Couvrant d'amour pour moi aussi. Nous devons donc prier Jésus afin que ce qu'il y a comme racine amère au milieu de nous, voilà, elle peut s'arrêter au golo, dans le capla qu'il y a encore sur nous, quand on s'entend. Cette expérience, chers frères et sœurs, avec Jésus, il choisit les apôtres et les collaborateurs. Ils sont au nombre de 12. Et ces 12, il les envoie en mission pour cette fois-ci aborder le deuxième point. Vous dites que son évaluation n'est pas sans amour. C'est avec amour. Jésus, il envoie les disciples. Je suis capable. La quoi est la zone là, il a quelque chose bien simple. Mais quoi est la zone c'est là. Et c'était le dimanche passé, on voyait que Jésus envoie signe d'une vraie communion d'amour, mais aussi signe pour dire que la parole de Dieu qui est annoncée là, eh bien, elle va s'annoncer dans la vérité. Jamais seul. Il faut toujours voir la Pâque. Voir la Pâque. Et ça aussi, ça nous interpelle. Pour des gens qui aiment vivre seuls. Ah, c'est mieux, on va dans la moi aussi. Bon, parce que papa, il est que sous sa mon minodo, tout ça. De toute façon, on ne peut pas vivre sur cette terre sans qu'il y ait des problèmes. Là où il y a des gens, il y a des problèmes. Et Jésus, il est conscient, ben qu'il a été pour qu'il a, ben qu'il a été pour savoir une mission, il est conscient que ben qu'il est fait parfait, chacun de Kéna, la faiblesse, maman, bien, bien. Mais il ne va pas hésiter de les appeler et de les envoyer en mission. Il ne va pas hésiter de faire confiance. Est-ce qu'il ne savait pas que le Judas devait trahir Yamanizama? Il savait aussi bien de faire le régner. Mais il les a pris pour les rendre meilleurs. Seulement, certains ont saisi l'occasion. Donc ça, la théologie va avoir été transformée en public. Mais en calme de ma vie, malgré la durée, il n'a pas plus la beauté de Jésus. Et dans l'église, dans nos familles, il y a aussi des gens comme ça.
malgré ma mambo ina baki kutuba, malgré kuiza nzu ya nzambi, mambo ina baki kuwa baki sadi la mambo yaka. Mais il faudrait bien construire avec la l'église. Ce qui est sûr, chers frères et sœurs, notre conversion, elle vient de Dieu. La conversion, c'est Dieu lui-même. Et donc, nous là, nous devons éviter de juger les gens de façon active. Il y a des changer, mais il y a des façons, il y a des façons. Parce qu'il y a un signe qui n'a pas caractérisé tout le monde, il y avait tout. Il y a des gens qui se combattent là comme s'ils battent la bisou. Ils sont dans la panne. Ils disent dans la panne. Bah, on peut s'y mettre. Non. Il les envoie en mission dans le coin d'un. Et maintenant, aujourd'hui, ils sont de retour. Et Jésus leur accorde un temps de repos. Vous devez vous reposer. Oui, quel signe d'amour! Quel signe d'amour! Venez vous reposer. Parce qu'ils ont travaillé. Et ce repos, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour t'en dire que dormez maintenant, ne priez plus. Ne... Non. Voilà, parce que vous avez travaillé. C'est ça le sens du repos. Vous travaillez. Et traitez avec amour. Reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Signe de son amour, chers frères et sœurs. Là, je voudrais encore penser un peu à nos différentes structures. Soit quelquefois étatique, encore para-étatique. Et même certaines personnes, dans la ville du Havard, pas qu'il n'avait employé, quoi pour-t-il le titre de Kibar. Quelquefois, quelque chose, c'est Kibar. À l'époque, on les appelait Boy, non ? Ah, il est Boy, en fait. C'est comme si, bon, voilà, on a tous les droits. Mais. Peu importe ta position, peu importe ton argent, personne n'a le dessus sur la vie de son semblable. Seul Dieu a le dessus sur nos vies. Seul Dieu a le dernier mot sur nous. Parce que peu importe ton argent, même ta vie t'échappe, même ceux qui ont l'argent là. Parce que si ça ne prenait que dans notre position, dans notre argent, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Parce que maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Mais malheureusement, même leur vie n'échappait pas. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, Mongo ou pas Mongo, mais ton vent de la musique, la musique, il n'y a pas dit. Il a même le droit de moi, beaucoup, il y a du toko, il a. Allez, moi, ma part, il y a du toko, il marche, je vais Tu donnes l'impression que toi, tu vas pas mourir. Mais tu oublies que toi aussi, tu vas mourir un jour. Chers frères et sœurs, vous savez pourquoi est-ce que les cimetières ne sont jamais loin? Généralement, on a mon côté Mandila. Les cimetières, mais maintenant les cimetières, on a combien d'années de forêt? Ah, ok. Mais c'est pour nous rappeler que pas venir dans les cimetières, pas venir dans les cimetières, il y a pas qu'à venir nous tirer avec Kitoko. Il y a pas qu'à venir nous tirer avec Mayela. Mais. Pas mes couilles. Allez-y. Donc, chers frères et sœurs, c'est avec amour. L'amour doit nous caractériser. L'amour doit régner autour de nous, au milieu de nous. Alors, s'il y a des choses à dire à un frère, faites-le en toute humilité, en tout amour. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Et chacun de nous doit prendre soin de son frère. Alors, je nous pose la question. Que fais-tu de ton frère? Dis-lui que cela ne t'a pas aimé. Que fais-tu de ta soeur? Dis-lui que cela ne t'a pas aimé à quel temps? Maman, mais regarde. Dis-lui
Parce qu'il est parlant aussi aux femmes et mamans qui ont transformé leur fils dans leur bagage de même vie. Amen. Amen. Ou encore des jeunes garçons à vivre d'argent, mais beaucoup dans la distillerie à caca. Mais beaucoup plus en même temps, il n'y a pas ma quête. Amen. C'est ça aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, Jésus, au milieu de nos bons pasteurs, entrant dans l'école de Jésus, oui, en faisant notre bilan, il le fait avec amour. Il nous traite avec amour. Il a compassion devant la foule. Ah, prends soin. Que chaque paroissien et chaque paroissien de mon Seigneur puisse prendre l'engagement ce dimanche, encore de revisiter son engagement. Je me situe à peine. Est-ce que je suis au niveau de cette unité, de cet amour que Jésus veut? Est-ce que nous avons également entendu dans la première lecture, c'est un corps, l'unité. Il y a des choses qui nous divisent. Et après, on se pose des questions. Ma façon, moi, ma bien-fière, comment est-ce que cela peut arriver à nous diviser? Comment cela peut nous diviser? Chers frères et sœurs, pour finir, je dis, Dieu ne peut pas ne pas nous confier une responsabilité. Ou encore, Dieu ne peut pas nous confier une mission et enfin ne pas nous évaluer. Dieu nous évalue toujours. Dieu nous évalue toujours. Nous disons aussi, Baba, il y a des cours dans l'école. Eh bien, il y a des compositions. Des examens à passer. Tu as atteint la moyenne requise, tu passes en classe supérieure. Tu n'as pas atteint la moyenne requise, tu échoues. Alors, chers frères et sœurs, notre salut dépend aussi de nous. Car disait Saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Il ne peut pas nous sauver sans nous. Faisons donc cet effort d'entrer à l'école de Jésus, lui, le bon pasteur. Soyons donc à l'école de Jésus, lui qui sait prendre soin de nous, ses disciples. Et à la suite de Jésus, nous aussi, sachant prendre soin de nos frères et sœurs. Amen. Amen.